chanter le chant des anges. Nous allons nous lever pour commencer notre culte spécial par la prière et nous voulons bénir le Seigneur. Amen. Quelqu'un a-t-il la joie ce matin? Amen. La joie du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est né dans nos cœurs et nous voulons bénir son nom en élevant tous nos voix. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes venus tout simplement pour t'adorer. Nous sommes venus pour glorifier ton nom. Seigneur Jésus-Christ, nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui as transformé nos vies, tu as changé nos vies. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de couvrir, Seigneur, ce lieu par ton sang précieux. Mets tes anges tout autour, Seigneur, de ce lieu pour nous garder, nous protéger. Et que ton nom seul soit glorifié. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Vous pouvez reprendre place. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons passer un moment immersif à cette époque où la promesse de notre Seigneur s'est accomplie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, prince de la paix. Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour, et vers la crèche, je te l'éteins, joyeux le monde accourt. Joyeux, joyeux, le monde Réjouissez-vous devant l'enfant, ne soyez pas troublés, car en ce jour de Noël est né Emmanuel, pour briser de l'enfer le lien du péché, du chagrin. Oh, doux récit, douce loi, douce joie, doux récit, douce joie. Réjouissez-vous devant l'enfant, ne soyez pas troublés, car en ce jour de Noël est né Emmanuel, pour briser de l'enfer le lien du péché, du chagrin. Oh, doux récit, douce joie, douce, douce joie. Oh, doux récit, douce joie. Dieu le divin Père, l'ange fut envoyé pour révéler le saint mystère aux bergers étonnés. Aujourd'hui, à Bethléem, un sauveur vous est né. Oh, doux récit, douce joie, douce, douce joie. Oh, doux récit, douce joie. Dieu le divin Père, l'ange fut envoyé, et le Saint-Mystère aux bergers étonnés, et qu'aujourd'hui à
Bethléem, un sauveur nous est né. Oh, douce et si douce joie. Oh, si douce joie. Oh, douce et si douce joie. Yeah. Oh, tous ceux qui avaient cru en ce Noël béni, proclamons l'heureux récit du divin événement, et tous ensemble prosternés offrons-lui nos hommages. Oh, doux récit, douce joie, si douce joie, doux récit, douce joie. Vous tous y avez cru en ce Noël béni, récit du divin avènement, et tous ensemble prosternés offrons-lui nos hommages. Oh, doux récit, douce joie, doux récit, douce joie. Yeah, yeah, yeah. Vous tous qui avez cru en ce Noël béni, proclamons l'heureux réussi du divin avènement, et tous ensemble proclamez, offrons-lui nos hommages. Oh, doux récit, douce joie, si douce joie, si douce joie, si douce joie. Oh, doux récit, douce joie, si douce joie. Oh, doux récit, douce joie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Au sein de notre perdition la plus profonde, prenez un moment pour imaginer l'inconcevable. Dieu s'incarnant, déployant ainsi une démonstration ultime d'humilité et d'amour. En cette rencontre unique entre le divin et l'humanité, que cette vérité résonne profondément en nous. Alors que nous nous aventurons sur le chemin tumultueux de l'existence, puissions-nous être guidés par cette lumière céleste, éclairant notre esprit de compréhension et de révélation. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les cieux. Joignons aussi nos louanges à la sublime concert. Dieu paix sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, sa crèche est son berceau. Et pourtant, c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous avec des joies et des grâces couronnées. Jésus s'est notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est notre frère, un sauveur nous est donné. Bergers et mages, au pied de notre Seigneur, déposons-lui nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, tu dois nous prosterner. Jésus, c'est
s'est donné. Jésus s'était notre frère, un sauveur nous s'est donné. Jésus s'était notre frère, un sauveur, un sauveur, un sauveur. Jésus s'était notre frère, un sauveur nous s'est donné. Chant des anges, un sauveur nous s'est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous s'est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur, car Jésus s'est fait notre frère. Oui, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur. Jésus s'est fait notre frère. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Poursuivons notre voyage aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans notre obscurité, une lumière s'est levée. La promesse jadis donnée, l'avènement du Messie longtemps annoncé, il vient à vous, il vient à vous, il vient à vous. Création chante, loué le Fils du Dieu très haut, il est parmi nous, la parole faite chair, Christ est né. Ce jour vous est né le sauveur des cœurs, il vient à vous, il vient à vous, il vient à vous. Oui, que la création chante, louez-le. Oui, le Fils du Dieu chante, loué-le. Le Fils du Dieu très haut, elle est parmi nous, la parole du Père, Christ est né. Prince Père Yeshua, le Messie, le Fils de l'homme, Dieu très saint, roi des rois, le Seigneur,
le grand je suis, prince de paix, Yeshua, le Messie, fils de l'homme, oui Dieu très saint, oui le roi des rois, roi des rois, le Seigneur, le grand je suis, le conseiller, le consolateur, Alpha et défenseur, protecteur, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Christ est né. Que la création chante. Loué le chante, louez-le. Le Fils du Dieu très haut est parmi nous, la parole est fait chair. Christ est. Merci. Arrivons maintenant à ce moment particulier de la nuit où Jésus est né. Et pendant qu'il était là, le temps où elle devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils, premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans cette humble scène, Dieu s'est fait chair, démontrant une humilité infinie. Amen. Alors que l'homme était séparé de Dieu, condamné à la mort éternelle, condamné par le péché d'Adam et Ève, l'homme était séparé de Dieu. Il n'y avait plus de solution pour l'homme. Mais Dieu s'est pourvu un sacrifice pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a quitté son trône de gloire, qu'il est venu sur la terre mourir pour nous sur la croix du calvaire. Et sa naissance est la bonne nouvelle qui est célébrée. Nous avons vu que les bergers sont venus l'adorer, les rois mages sont venus l'adorer. Quel jour merveilleux lorsque le Dieu Tout-Puissant a pris la forme d'un homme et est venu sur la terre, semblable à vous et moi. Il a porté notre misère et il est venu sur la terre. Voilà la bonne nouvelle que nous voulons annoncer au monde. Qu'il y a un espoir, qu'il y a un espoir, que la lumière est là, le salut est là en Jésus-Christ. Noël, joyeux, joyeux Noël, cette nuit où Jésus est né. Comment aussi rassembler mes gardes immédiatement? Nous devons empêcher cela. Comment un bébé peut être aussi grand que moi? Je suis le seul vrai roi. Joseph, Joseph. Me voici, me voici. Le Seigneur mon Dieu m'a envoyé t'avertir que le roi Hérode vient pour exécuter mon fils. Va à Bethléem en Judée afin que s'accomplisse la prophétie.
Joseph, qu'est-ce que c'était? C'est sur lui. J'ai cru que quelque chose ne soit pas vu. Oh non, ce sont les gardes du roi Hérode. Ils viennent pour notre enfant. Joseph, nous ne pouvons pas laisser les gardes du roi Hérode trouver notre bébé. Ne t'inquiète pas, le Seigneur nous guidera et nous protégera. La prophétie doit s'accomplir à l'est. N'importe quoi. La prophétie doit s'accomplir à l'ouest. Bené. Assez. Regardez là-haut cette étoile. Elle est magnifique. Wow. Je dirige vers le nord. Allons-y, Jubon. Hein? Nous avons besoin d'aide pour trouver la voiture pour notre fils. Là-bas, une table. C'est modeste, mais c'est mieux que rien. Oui, Joseph, notre fils, le Messie apportera l'amour et la lumière au monde. Nous sommes bénis, Marie. Notre bébé est en sécurité et il apportera l'espoir à ceux qui le croient. Matthieu 1, 18, 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eux s'habitaient ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains rien de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. J'ai tellement hâte d'arriver. Le chemin m'a fatiguée. Attends, on fait une pause. Mais dis-moi, Joseph, est-ce qu'il y aura du réseau à Bethléem? J'ai besoin de poster toutes les photos possibles. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a deux secondes, tu t'inquiétais, et maintenant tu me parles de photos. Je sais pas, le Seigneur m'a rassurée. De toute façon, t'inquiète pas, il y aura du réseau là-bas. Je vous demande de vous lever. Vous devez suivre l'étoile. Il y a un enfant qui sera né, ce sera le roi des rois à Bethléem. Préparez pour lui tout ce que vous avez de précieux. Allô, allô, vous m'entendez? Ça devient un peu compliqué d'être un ange. À croire qu'ils sont tous à côté de l'accrocher leur téléphone. Non mais je suis choquée, pourquoi tu es comme ça là? C'était à moi qu'elle lui demandait tout à l'heure. Bon, on a compris ce qu'elle veut dire, donc maintenant on doit juste ramener nos cadeaux les plus précieux. Vous êtes pas d'accord? Moi je ramène l'encens. Hein. Bah vas-y, moi je ramène l'or. Bah ok, bah moi je ramène la myrrhe. Mais faut préparer nos sacs et... Ah oui, faut savoir c'est qui fait le live. Bah moi je dis un truc, c'est moi qui le fais, j'ai plus d'abonnés que vous, et voilà. Mais pourquoi ce serait pas moi? J'ai eu plus de vues que toi sur le dernier live. Ça devrait être moi. Eh mais vas-y, vous deux, j'ai plus de likes. Moi je dis juste faut suivre l'étoile. Hein. Bon, venez, on fait chacun notre live de notre côté et puis ça va. Ouais, bah vas-y, ok. Bah super, on va appeler le live hashtag bébé.
suis le roi, le seul élu. Mon règne brille, ma puissance accrue, face à moi perdue dans l'ombre de ma grandeur vaincue. Aux gardes loyaux, prêtez oreille à la voix du souverain sans pareil. Aucun autre ne peut se comparer à ma grandeur, nul ne peut rivaliser. Je suis le roi, le seul élu. Mon règne brille, ma puissance accrue. Aux gardes, prenez-les, tuez-les. C'est moi le seul roi. Aux gardes, je suis le seul roi. J'espère que ça résonnera sur toute la ville. Nul ne peut me rivaliser à travers les siècles de l'histoire infinie. Aucun trône ne peut me rivaliser avec la grandeur de mon règne sacré. Vous avez vu, les rois mages, ils ont fait un live, ils vont aller à la naissance d'un enfant. Je pense que c'est le roi qui veut. Ah ouais, je pense. Ah non, là on vient de tomber sur un live. Je crois que c'est l'enfant qu'on doit aller chercher. Et du coup, c'est qui va parler au roi? En tout cas, c'est pas moi. Non, moi c'est pas moi, c'est pas possible. Mais vous êtes des lâches, vous êtes sérieux là? Il me faut cet enfant, c'est une menace pour mon règne. Mon roi, nous avons appris une nouvelle et je pense pas que ça va vous plaire. Arrête de bégayer, rapproche-toi. Les rois mages ont fait un live et apparemment un nouveau-né sera à Bethléem et je pense que c'est celui qu'on est en train de chercher. Donc là, il y a vraiment un enfant qui va naître exactement là où on l'a dit et il fait rien. Va me chercher ces trois mages et fais ton travail. D'accord. Après, on se demande pourquoi j'étais un roi aussi cruel avec des incapables comme cela. Vous êtes sûr qu'on doit vraiment le... Arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre et allez faire ce que je vous dis. D'accord. Bonjour, pourrions-nous avoir une chambre pour deux, s'il vous plaît? Non, désolé, j'ai vraiment peu de place, j'ai regardé et j'ai peu de place, j'ai aucune chambre de libre. Non, mais je pense que vous n'avez pas très bien compris. Ma femme et moi avons marché plusieurs kilomètres et en plus elle est enceinte. Faut que je puisse la mettre quelque part, n'importe où. J'ai aucune chambre, mais j'ai une étable, si ça vous va. Une étable, ça ira pour toi? Ça fera une expérience. Voici les rois mages. Quel est cet enfant que vous allez honorer? Votre majesté, en fait, il y a un ange qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'un enfant allait naître à Bethléem cette nuit et que ça deviendrait le roi des rois. Le roi des rois? Et voilà, c'est pourquoi nous devons y aller le retrouver. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Pourquoi? Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et dès que vous l'aurez trouvé, venez me le dire. Comme ça, moi aussi, j'irai me prosterner devant lui. Surtout votre respect, Majesté, quand nous aurons trouvé le Dieu, celui qui va naître, nous allons... Nous allons vous donner la position exacte d'où nous sommes, comme ça vous pourrez lui amener des petits cadeaux. Ne me décevez pas, enfin si vous tenez à vos têtes. Oui. Suis-les très discrètement, je ne leur fais pas confiance. D'accord.
Bon, les gars, j'ai complètement compris les manigances du roi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Là, il va tuer l'enfant. Non, t'inquiète pas. Mais si, on va aller. Tu lui as dit que on va l'appeler. Écoute-moi, si on lui aurait dit qu'on n'allait pas être avec le roi, on serait déjà mort. Donc autant, là, on coupe le live maintenant, comme ça tout s'arrête. Et comme ça, le bébé pourra rester en vie. Ah mais toi, t'es pas bête, toi. Ah ouais. Il y en a là-dedans. Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour, et vers la crèche, je te l'éteins, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux. Ce bébé est tellement beau. Je peux pas dire au roi que je l'ai tué. Je sais, je vais inventer quelque chose. Alors, avez-vous trouvé l'enfant? Non, malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé. Je suis désolé. De toute façon, un enfant qui régnerait sur le monde entier, qui serait connu jusqu'à des millions, voire des milliards d'années, je pense pas que ça existerait de toute façon. Si, même si je pense que je l'ai vraiment vu. Emmanuel signifie Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Amen, c'est la plus belle histoire qui nous est donnée, Dieu parmi nous. Emmanuel, il s'appelle. Seigneur, tu es venu parmi nous, tu t'appelles Emmanuel, ton nom est Prince de la Paix, Dieu puissant, Père éternel, conseiller admirable, on l'appellera admirable, tu es admirable dans nos vies, tu es conseiller pour nous, tu es le Prince de la Paix, alléluia, nous voulons te louer ce matin, tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes, quel merveilleux Sauveur nous avons, qui est mort pour nous, qui est venu pour nous, qui a pris la forme d'un homme pour nous sauver, qui s'est approché de nous, qui s'est humilié dans une étable. Quelle merveilleuse histoire, merveilleux Sauveur. Alléluia, gloire et louange à ton saint nom. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue mon frère, ma sœur. Dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la
Quel est l'enfant qui se repose sur les genoux de Marie? Que les anges l'accueillent avec des hymnes pendant que les bergers. Le roi des rois apporte le salut, que les cœurs aimant Dieu, oh,
Christ le Seigneur qui est venu sur la terre, qui s'est fait chair pour nous. Il s'agit de Jésus seul, de Jésus seul. Jésus le Seigneur et cet enfant dans ce berceau. Merci Jésus. Bonjour, vous allez bien? Vous sentez bien dans la maison du Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à louer et à danser avec moi? Ça, vous me connaissez, quand je suis là, il faut se lever directement. On se lève, on se lève, on se lève. Et on va danser ensemble. Et on y va. Assemblée, louer l'Éternel, il est vivant. 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 Louer. Louer l'Éternel, il est vivant. Assemblée, louer. Louer l'Éternel, il est vivant. Assemblée, 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 louer. Ah, louer l'Éternel, il est vivant. Autour de moi, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Assemblée, louée, louée, il est vivant. Assemblée, louée, l'Éternel, il est vivant. En bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut. En bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut. En bas, devant, derrière, autour de moi.
Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon papa est fidèle. Fidèle. Mon papa est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon papa est vivant. Vivant. Mon papa est vivant. Vivant. Mon papa est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est vivant. Vivant. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Son nom est Jésus. Jésus. Son nom est Jésus. 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 Oui, je dis Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Mon Dieu est si bon. 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 Les bénédictions vont doubler, doubler. Vont doubler, doubler. Les bénédictions vont doubler, doubler. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Jésus, oui Jésus, oh Jésus, oh
au-dessus de tout. Son nom c'est Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à proclamer le nom de Jésus ce matin? Jésus, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom comme Jésus. Pas d'autre nom, pas d'autre nom comme Jésus. Jésus, Jésus. Car son nom surpasse tout autre nom, non, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que Jésus. Au-dessus de tout, guérisseur, il guérit nos rêves. Au sauveur, il vit à jamais. Son nom est Jésus, son nom est Jésus de tout. Est-ce qu'on peut le proclamer encore haut et fort, le nom de Jésus? Jésus, oh Jésus. Il n'y a encore un autre nom comme le tien. Jésus, pas d'autre nom, pas d'autre nom comme Jésus. Jésus, Jésus, pas d'autre nom, pas d'autre nom. Encore une fois, Jésus, oui Jésus, oui Jésus, Jésus, oui Jésus. Jésus, pas d'autre nom. Pas est-ce qu'on peut le proclamer encore? Oui Jésus, nom, oui Jésus. Oh Jésus, Jésus, oui Jésus. Oh Jésus, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom comme. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom que lui. Pas d'autre nom, pas d'autre nom. Pas d'autre nom, pas d'autre nom comme Jésus. Au-dessus de tout, guérisseur, il peut guérir tes peines ce matin. Oh Jésus, sauveur, il vit à jamais. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, Seigneur de tout. Ce chant nous dit que le nom de Jésus est grand, le nom de Jésus est puissant au-dessus de tout. Au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute mauvaise parole proclamée sur votre vie, le nom de Jésus est vainqueur. Vous avez la victoire dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin d'amour, le nom de Jésus est amour. Si vous avez besoin de guérison, le nom de Jésus a la guérison. Si vous avez besoin de liberté, le nom de Jésus libère ce matin. Le nom de Jésus libère. Est-ce que vous le croyez? Il faut le dire comme une prière. Jésus me libère. Jésus, pas d'autre nom, pas d'autre nom que Jésus. Oh Jésus, oui Jésus, pas d'autre nom, pas d'autre nom. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Jésus de loin, Seigneur Jésus. Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, you were
watch my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, my Jesus, Jesus was. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When my Jesus, Jesus was. When Jesus was. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, he washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how, oh, he taught me how to watch, to watch, to watch, to fight and pray, to fight and pray. He taught me how to live with joy. Oh, yes, he did. Every day, every day, every day, every day. He taught me how. He taught me how. He taught me how. To watch, to watch, to fight and pray. To fight and pray, to fight and pray. And he taught me how to live with joy. Talking about a happy day. Oh, happy day. Oh, singing, singing, happy day. Oh, happy. Est-ce que l'église peut chanter avec nous, à vous? Oh, happy day. Oh, happy day. Est-ce que l'église peut chanter, oh, happy day? Oh, happy day. On vous entend pas plus fort? Oh, happy day. Singing, singing, happy day. Oh, happy day. Oh, I'm talking about a happy day. Oh, happy day. Talking about a happy day. Oh, happy day. Oh, yes, singing, singing, a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, oh. Amen. Maintenant, nous allons chanter ce chant qui nous dit Gloria in excelsis Deo. Amen. Dans nos campagnes entendent les hymnes des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Encore une fois.
Amen. On veut remercier la classe des moyens. Raphaël, Séverin, Sœur Nasma, Christopher. Est-ce que la classe des moyens venait, les enseignants de la classe des moyens? Amen. Merci Seigneur. On veut également remercier la classe des pré-ados, si vous pouvez venir. La classe des pré-ados. Et tous les ados également, vous venez. Voilà le ministère des enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et on veut inviter Sœur Laurette, qui est la responsable de l'école du dimanche, à dire un mot pour les enfants qui nous entendent bénir ce matin. Amen. Bonjour Église. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Amen. Un petit mot, je voudrais remercier tous les parents. Tous les parents qui nous ont permis de réaliser. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir permis à chaque enfant de venir réviser, répéter. Et vraiment, je vais vous dire quelque chose qui nous tient tous à cœur, qui tient vraiment l'Église à cœur. Tout à l'heure, je parlais aux ados en particulier. Je leur disais que ce n'est pas une simple scénette. Ce que vous allez faire, ce n'est pas des simples enfants. Nos enfants ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chacun des enfants ici présents, si vous leur demandez qui est le Seigneur, ils vont vous dire Jésus. Chacun de ces enfants connaissent l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Certains, tous ces enfants savent que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement un bébé, mais qu'il est le roi des rois, qu'il est El Shaddai, Adonai, le roi tout-puissant. Donc parents, je sais que pour ce dernier mois, on vous a demandé du temps, on vous a demandé beaucoup de temps, mais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Parce que le temps que vous nous donnez, ça nous permet, vous savez vos enfants, ils ont quelque chose que le monde n'a pas. Le fait qu'ils soient à l'église, le fait qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu, ils ne prendront pas les mêmes décisions que les enfants du monde peuvent prendre. Même si face à eux, ils traverseront peut-être des moments qui seront difficiles, mais ils vont se rappeler qu'un jour le roi des rois, le Seigneur Jésus par excellence, est venu pour les sauver. Et encore une fois, est-ce qu'on peut les applaudir? On peut les applaudir puissamment. Bravo les enfants. C'est super ce que vous avez fait. Et est-ce qu'on peut faire comme on a l'habitude? On va bénir les parents. On va tous dire bénissez. 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 On a... Amen. Nous voulons vous remercier, la famille Kabessa. Nous voulons remercier toute l'Église. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité. Nous voulons vous remercier aussi pour votre amour. Et vous savez que nous sommes une famille. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année 2023, nous voulons vous dire que ce que le Seigneur a commencé dans cette église de Romilly, il achèvera. Amen. Amen. Les grandes choses vont commencer dans cette église, dans votre famille. Sûrement vous êtes arrivés à la fin de l'année, vous n'avez pas obtenu tout ce que vous avez demandé au Seigneur. Mais je voulais vous dire que Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes. Amen. Le vrai cadeau, le meilleur cadeau que vous pouvez donner au Seigneur aujourd'hui, c'est votre vie. Que votre vie soit un sacrifice vivant pour le Seigneur. Je disais, si lorsqu'on parle du sacrifice, on parle de l'adoration, c'est-à-dire mon corps adore Dieu, mon corps loue Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps appartient au Seigneur. Amen. C'est vrai que nous allons offrir des cadeaux à nos membres de famille, mais le vrai cadeau que vous pouvez leur offrir, c'est la vie de prière. Amen. C'est la parole de Dieu.
c'est Jésus-Christ. Vous allez visiter une personne, vous apportez Jésus-Christ avec vous. Vous apportez la présence de Dieu avec vous. Écoutez-moi très bien, parce que votre présence est temporaire et pour un temps seulement. Mais imaginez vous laisser Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu ne change pas. Amen. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Amen. Même si tu ne me donnes pas ce que je désire, mais donne-moi Jésus. Amen. Jésus, amen, me suffit. La grâce me suffit, la grâce de Dieu. Alléluia. Pour l'éternité, nous voulons la grâce de Dieu. Je n'ai pas monopolisé la parole parce que ma femme et mes enfants aussi vont vous remercier. Et après, nous allons, j'espère qu'on aura des cadeaux pour tous les enfants. Vous avez compté? Ok, sœur Pauline. Amen. Alors, bonne fête. Bonne fête à toute l'église. Et comme le pasteur l'a dit, nous vous remercions. Vous êtes vraiment très précieux, très cher à notre cœur. Tout simplement parce que votre vie, vos familles sont liées à la nôtre. Votre histoire et chacune de vos familles sont liées à notre appel ici à Romilly. Et on vous aime très fort. On pense à vous, on prie pour vous, vous êtes dans nos cœurs. Ne vous fiez pas aux apparences que vous n'avez pas des coups de fil ou quoi que ce soit. Vous êtes dans nos cœurs. Sincèrement, vous êtes dans nos cœurs, on prie pour vous, on pense à vous. Le silence ne veut pas dire l'indifférence. Quelquefois, vous avez l'impression que notre silence paraît... Non, notre silence est la prière pour vous. Amen. Et si vous n'étiez pas là, que serait l'église? L'église, c'est nous. Nous sommes l'église, nous sommes le corps de Christ. Et chacune d'entre vous, vous apportez de la joie. Chacune de vos victoires sont une joie ici dans la maison. Et chacune de vos épreuves sont la persévérance dans la foi pour nous. C'est le défi de la foi pour nous. Et nous sommes contents d'être ensemble. Soyez bénis. Écoutez, merci d'être venu. En tout cas, ça fait super plaisir. De toute façon, comme ça a été dit, l'église c'est nous. Et c'est bien, ça permet de qu'on puisse réunir pour le Seigneur, parce que nous servons un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est bien qu'on puisse tous se réunir aujourd'hui. Soyez bénis. Bonjour à tous. Alors moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est déjà merci à tous. Parce que j'ai vu vos messages de bénédiction dans les groupes tout au long de l'année. J'aime beaucoup ça. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette église, c'est de voir qu'il y a des personnes qui aiment Dieu réellement. Et dans le monde où on est aujourd'hui, c'est compliqué. Et de voir des personnes qui se déplacent dimanche après dimanche, qui jeûnent avec nous, qui prient avec nous, c'est un sacrifice aussi. Et franchement, je vous remercie pour ça. Je remercie aussi Dieu de m'avoir gardé jusqu'ici. Parce que c'est compliqué. Mais voilà. La vie, c'est pas facile pour tout le monde, mais on avance avec Dieu, avec l'aide du Seigneur. Et voilà. Amen. Bonjour, Église. Tout d'abord, je remercie d'abord Dieu, parce qu'on ne fait que de s'améliorer. Soit dans la musique, l'organisation, tout ça, on ne fait que de monter. Je remercie le Seigneur et nous tous parce que on reste fidèles et on fait avancer le royaume. Amen. Raphaël, Gabriel, toujours positif au nom de Jésus-Christ. Amen. On fait quoi? Alors on distribue comment? Alors les enfants, on vous donne votre cadeau et vous allez vous asseoir rapidement. Alors. D'accord, donc après les cadeaux, nous allons faire des photos, juste il y a un décor qui est préparé, là pour chaque famille. Nous allons commencer d'abord par des personnes qui sont seules, et les familles après, d'accord? Parce que les personnes seules, c'est rapide, et les personnes qui sont en famille, juste après. Vous êtes contents les enfants?
Super. Ah, tout le monde a eu un cadeau. Ouais, j'avais peur. Ouf. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué à jamais, qu'il soit levé, qu'il soit élevé à jamais, qu'il soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit. Écoutez le chant des anges, viens d'éclater dans les cieux. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Dieu fait sur la terre aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, sa neige est son berceau. Et pourtant, c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous avec des joies et des grâces couronnées. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, déposons-lui nos hommages, nous lui donnons.